Depuis plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Wow. Donc, je me rappelle que j'ai découvert la maladie en moi parce que je ne l'avais pas. J'ai découvert la maladie, j'étais étonnée. Bonjour, peuple de Dieu. J'ai deux témoignages. En fait, mon premier témoignage, déjà, c'est la délivrance des rêves du passé. Je ne rêvais pas du présent. Je rêvais toujours du passé, de mon enfance. Je ne rêvais pas de quand je suis dans la grande ou bien de mes activités présentes. La dernière fois qu'on a fait le freedom ici, le premier jour, la nuit de prière, à la fin, papa a dit, il y a une personne ici qui rêve seulement du passé. Directement, j'ai levé ma main. Il a dit, il a mis fin à ça. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas rêver du présent. La prochaine fois que tu vas rêver, tu seras dans ton bureau. J'ai dit, amen. Je vais te couper. Ce jour, c'était le 26 janvier. Je me souviens très bien de cette nuit de prière qu'on avait organisée ici. Elle rêvait seulement de son passé. Alléluia. Et papa a dit, il y a une personne qui ne passe que du temps à rêver de son passé. Et papa l'a localisé, elle est venue, on a prié pour elle. Papa a prié pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé après? Depuis ce jour-là, je rêve déjà du présent. Alléluia. Amen. Je rêve du passé. Je rêve du présent. Je rêve que je suis dans le monde présent, que je suis dans les endroits que je visite régulièrement. Alors qu'avant, je rêvais comment je suis à moins de 12 ans, moins de 10 ans. Dans mon village, dans le passé, passé. Avec mes grands-parents qui sont déjà décédés. Ça fait plus de 3 ans que je souffre de problèmes de constipation. 3 ans qu'elle souffre de problèmes de constipation. 3 ans. Wow, nous sommes en 2023. Donc c'est depuis 2020 qu'elle est constipée. Waouh. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? J'étais dimanche ici à la prière. Quand papa a déclaré qu'il y a une femme ici dans la salle, c'était le problème de constipation. Est-ce que c'est vrai? Vous qui étiez là? Voilà. Il y a d'abord une autre dame qui est venue. Après moi, je suis sortie. Après, papa a prié souvent. À ce moment-là, j'ai commencé à sentir mon ventre ballonner. Je suis rentrée, ça n'allait pas. Je suis allée, j'ai mis une amie, je me dirais, le commissariat pour faire. Je suis allée passer le dimanche là-bas. Je suis arrivée là-bas, mon ventre, ça allait. Après, mon ventre est sorti. De toute façon, quand les gens me voyaient, les gens pensaient que j'étais enceinte. Je dis non, je ne suis pas enceinte. Pour avoir un enfant, pour avoir un enfant. J'ai mes parents comme ça et que je suis passée. Wow. Et le dimanche là, je n'ai pas travaillé juste avant midi parce que ça n'allait pas. J'ai appelé mon boss, j'ai dit je suis malade, je me sens pas. J'ai dit, j'ai forcé, j'ai essayé d'aller au sport, à travailler, arriver là-bas, ça n'allait pas. Quand mes collègues du sport m'ont compris aussi, on commence à parler. Oh, 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 elle est enceinte, elle ne passe pas. J'ai dit, c'est pas ça. Bonjour, peuple de Dieu. Vendredi, je n'étais pas à la prière. J'étais au lieu du travail. Justement, frère Gabi a enregistré la prière que papa est en train de faire sur lui vendredi. Justement, il a envoyé dans le groupe. Justement, j'ai pris mon écouteur, je les ai mis. J'étais en train d'écouter la prière que ma bête. Pendant ce moment, là où il a eu que poser la main sur le nombril, je suis posé la main. En priant aussi, devant les malaises ont commencé. Qui a dit que poser la main sur le nombril? Papa, dans le Dieu que tu as écouté. Dans le Dieu. Je suis aussi en priant. Le premier auto qu'il a envoyé, quand j'ai Alléluia. Je suis venu rendre gloire à Dieu. Pour ce qui s'est passé ici vendredi. Bien avant cela, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Tu es d'abord quoi? Tu es commerçante? Je suis agent commercial. Agent commercial, voilà. Et dans une société de transit. Et je n'arrivais pas à gagner les marchés. Tout était bloqué dans ma vie.
tout, je n'avais plus aucun lien, tous les liens étaient déjà partis. Je n'avais plus personne, même les gens qui me prêtaient de l'argent. Et je vivais seulement au travers des dettes. Je prêtais de l'argent pour rembourser d'autres dettes. Donc je prête pour survivre et parfois je prête encore pour rembourser. Et je ne comprenais rien, j'étais bouleversée. Et parfois même pour manger, il fallait que j'emprunte de l'argent. Même pour arriver à l'église, je dis, hey, Seigneur, je l'ai fait comment? Il fallait que j'emprunte de l'argent, même pour aller au travail. Au point où j'ai même arrêté d'aller à l'école parce que même l'argent pour payer le transport, comme je fais une formation en Brésil, pour payer le transport, pour aller au cours où je ne parvenais même pas. J'étais déjà tout, j'étais coupé. Au travers de la prière ici vendredi, j'ai reçu ma délivrance totale. Amen. Je suis rentrée samedi matin, le téléphone sonne. Même mon ami qui connaissait la situation que je venais de m'appeler. J'ai eu à porter les 20 ans aujourd'hui. Au moment où je portais, je ne connaissais pas encore la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, il faut que les 20 aiment tout ça. J'ai eu les 20 de côté et j'ai beaucoup prié. Et aujourd'hui, nous allons jeûner en paix pour s'entendre les billets. Ça fait des choses que Dieu a bien fait. Depuis combien de temps tu fais tu que ce m'a délivré de Dieu? En 2015, 2016, 2017. Donc nous voyons sans compte de 2017 à 2023, ça fait combien d'années? 6 ans que le frère souffre de cette maladie. 2015. C'est un moment. Quand ça avait pissé, je me suis dit que le mal était parti. Mais je me suis rendu compte que mon mal est encore plus aggravé parce que j'avais demandé à mon Dieu de prendre soin de mon père. Il n'est pas croyant comme moi, il ne sait pas la vie que je mène à Douala, mais je dis qu'à travers le monde, en mettant bien tout mon doigt sur mon nom, et je suis son fils et cette descendance sera bénie. C'est tout ce que j'ai demandé à Dieu. Amen. Donc, moi, qui veux ici, le fait à toute sa délivrance par les instructions des natifs. Amen. À chaque fois que Nadji rend médecin ici, il nous demande de mettre notre doigt sur notre nom. C'est ce que nous relier à notre famille et que toute maladie héréditaire qui tient de notre famille, ok, va partir de façon instantanée. Et c'est ce que le frère obéit à cette instruction et aujourd'hui la notice à guérison. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette maladie? Mardi, l'atteignement ici. Amen. Amen. Donc, mercredi matin, je reçois un message WhatsApp de ma maman qui fait comprendre que ton père va t'appeler. Mais toi et moi, on n'a pas causé. Vous pensez comment les mamans sont avec leur fils. On n'a pas causé. C'est là que vers 8h, je suis déjà au boulot. Mon père m'appelle, il peut comprendre que ton problème d'argent, c'est combien? 150 000 francs. Il me dit, ok, avant de les coordonner de la banque. Tout simplement. Je l'envoie à 9h30. Il m'envoie le reçu. Est-ce qu'on peut téléphoner pour vous? Je vous assure, j'étais tellement content. Tellement content que j'ai fait embrasser tout le monde au bureau. Mon chum, tout le monde. Mais je ne pouvais pas dire après ce qui se passe. Parce que vous pensez le monde professionnel avec les gens qui ne sont pas forcément prêts avec vous. J'ai eu la maison. Le papa, par exemple, ne comptait pas sur mes gens, comptait sur Dieu. Et effectivement, quand j'ai eu la maison, j'avais déjà, avant que je n'ai la maison, j'avais une promesse que quelqu'un devait m'aider. Et quand j'ai eu la maison, j'ai demandé à la personne que j'ai déjà eu la maison. Alors, complète alors l'argent que tu as dit que j'allais donner. La personne n'a plus réagi. Et je suis resté, elle dit que waouh. J'ai écouté l'enseignement de papa un jour qui disait que arrêtez de compter sur les hommes, sur les temps. Et puis il a dit, ah tiens, c'est vraiment ce que le Seigneur a fait de toi. Je vais passer comme message, d'accord, je vais compter sur toi-même. Lundi, en semaine, on fait la prière à 5h avec le pasteur Ange. Mercredi matin, donc, on a fait la prière ensemble. Le pasteur Ange a dit ce jour. On va faire le marathon de jeudi matin. Elle a dit ce jour. On va faire le marathon de prière aujourd'hui. On a prié de 5h à 7h du matin. Sans relâche, c'était très grave. Et quand elle a fini, elle a déclaré, j'envoie les finances, j'envoie les finances.
7h25, je reçois un morale de 300 000 francs. Alléluia! Après 100 000 après, Dieu t'a envoyé le témoignage dans notre groupe du BF, du réveil, comme on appelle notre groupe. Très bien. Amen. Tout va très bien. On va donner un peu ton témoignage, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le Paris va commencer. Après une semaine, le Paris est parti. La tête a commencé, les yeux, ça me faisait mal. Atroce, je ne peux pas me coucher, ni me mettre debout, ni m'asseoir. Donc, il te fallait que je vole seulement. Donc, il n'y a pas eu une position pour moi. Donc, je souffrais la nuit, j'étais debout, assis, allongé. Je cherchais même l'eau pour tomber dedans, me baigner dedans, rester dans l'eau, je ne vois pas l'eau. J'étais vraiment malade. Après une semaine, le père est venu me prendre pour aller chez lui, m'a dit. Et la nuit de mardi, je commençais à dormir. Amen. Je commençais à dormir la nuit. Ça commençait à baisser, les nerfs commençaient à baisser parce que je n'arrivais même plus à marcher, mes pieds baisaient, j'étais paralysé. Donc, on a acheté des verres, jusqu'à présent, ça baisse. Je me fais honte au diable parce que c'est une attaque parce que le mal des yeux. J'étais parti depuis 2 ans. Je ne portais plus de lunettes. Il y a des gens qui m'ont connu avec mes lunettes avant. Il y a d'autres gens qui m'ont connu qui ne peuvent pas m'aider. Seigneur, je dis souvent grâce à Dieu pour ce qui s'est passé dans ma vie, c'est pouvoir les cette semaine. Depuis le dimanche passé, quand je suis arrivé au culte, j'avais mal aux yeux. Et puisque c'est une maladie que j'avais déjà eu jusqu'à j'ai eu à porter les verres. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi quand j'arrive à l'église d'Aldi, demande toujours à ce qu'on mette la main sur le rempli. Si ils demandent à leur père, ça veut dire que cela est une culte de notre descendance. Et deux jours, lors de la prière, intérieurement, j'ai dit à moi, Seigneur, mon père au village est souffrant des yeux. Et je ne sais pas vraiment ce qu'il avait. Et aujourd'hui, j'ai mal aux yeux. Je ne sais pas. Si c'est une descendance, c'est que réellement, je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai demandé à Dieu, laisse mon cas tranquillement, mais prends soin de mon corps. Parce que je suis sûr qu'à travers le mois, quelque chose va se passer. Amen. Et quand j'ai déclaré cela, le mardi, j'ai eu tellement mal au corps, même sorti, je ne sortais pas. C'est en soirée comme ça qu'il pouvait marcher. Je pouvais voir clairement, mais en journée, quand dès que le soleil sortait, j'avais toujours mal. C'est mon épouse qui me fait comprendre que c'est très mystique. Je dis pourquoi tu le dis. Il dit que non. Si en soirée tu manges normalement et qu'en journée tu as mal au dieu, ça veut dire que le noir partit au ténèbre. C'est le diable qui. Les esprits maléfiques qui sont assis sur les finances. Il a prié et ça m'a touché. Ça m'a touché et j'ai été délivré. Samedi matin, le téléphone sonne et les clients m'appellent et me disent que maman, comme tu vois. J'ai des dossiers, je vais te donner, tu vas gérer. Les gens ont commencé à m'appeler, d'autres ont commencé à me renvoyer de l'argent. Et même mon client est venu m'appeler. Alléluia! On a vu ça très fort. Tout est rentré à la trompe. Alléluia! Même son ami qu'il avait oublié, qu'il avait abandonné, a commencé à le chercher, l'appeler. Les anciens clients qu'il avait perdus sont revenus en masse. Alléluia! Est-ce qu'on va acclamer pour le roi des rois? Et après, on va continuer. Moi, je fais un peu déçu. Vendredi après la prière, quand j'ai rentré, j'ai commencé à avoir des bidonnements dans les oreilles. Et où c'était le bas? Qui faisait tout le bidon, c'était plus en ça, mais en rentrant, ça n'allait pas. C'est comme ça, donc, samedi, quand je devais composer, je suis dans la foulée, je parlais avec les camarades, j'attendais ma voix et ça va augmenter. Donc, on s'est appelé lundi, qu'est-ce qui se passe? Arrivé ici, donc, à la fin des témoignages, il y a aussi le résultat de ma mère qui me demandait si elles auraient continué. C'est là où j'ai commencé à tester et le premier témoignage venait de passer et j'ai constaté que je n'avais plus. Alléluia! Amen. Merci.
vous voyez, la soeur arrive ici mardi, après tout ce moment de prière, elle est rentrée, elle a reçu une attaque. Donc, ça se manifestait comment? Elle, quand elle parlait, elle s'entendait de façon très élevée. Et lorsque Kamal s'exprimait aussi, c'est comme s'il criait dans ses oreilles. Mais ce matin, n'oublions pas que, avant que papa n'arrive ici, il prie d'abord pour le culte à la maison. Amen. Amen. Et pendant que ce tellement fait prière, donc accompagné ce matin. Amen. Amen. Donc, elle arrive donc ce matin, pendant la louange d'abord, et là, c'est plutôt le premier témoignage. Directement, elle était guérie. Et papa, je déclarais ici que je peux ne pas t'imposer même les mains. Mais sois juste ouvert et reçois ta guérison. Fire! 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 Applaudissez pour mon père qui est là. Je veux bénir le Seigneur parce que papa dit ici tous les jours qu'il n'est pas là pour former les adeptes. Il est là pour former les disciples et les guérir. Amen. Amen. On m'avait donné un dossier de terrain. On m'a demandé de chercher le terrain. En fait, il y avait un acheteur qui avait besoin. Je cherche le terrain, je finis par en trouver. Finalement, j'avais confiance en un fait qui m'a connecté à un acheteur. Dès que je connais que les deux, on le met de côté. Il commence à organiser les réunions, je ne suis pas au courant. Il partait signer le protocole d'accord chez le notaire, sans mon nom, avec Jacques, juste pour m'étaquer. Le jour que j'ai appris ça, j'ai dit bon, je suis entré dans la chambre. Et que mon père nous avait appris ici que tu étais mes anges. Alléluia. Amen. Il dit que je suis la fille du King Prophète Vesté. J'envoie ces anges s'aimer la discorde. Que la discorde les gâte là-bas. J'ai gâté tout. J'étais dans la prière. Il était 14h. Bien aimé jusqu'aujourd'hui. Ah oui, il y a des problèmes. On ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi? C'est gâté. Finalement, le dossier, le milieu entre les mains. Alléluia. Mais en dernière année, disons, je n'ai pas pu finir. Parce que quoi? Parce qu'il n'y avait pas les sous pour finir la pension. Et c'était à cause de la guerre. Donc mes parents qui vivent là-bas ne pouvaient plus subvenir à mes besoins. Donc ce qui fait que pendant 4 ans, depuis 2019, le sourire ne venait pas. Je vous assure. Il y a eu des opportunités de travail, même de la part du facteur Jean-Marc. J'ai eu des projets même à l'étranger où il fallait nécessairement avoir le diplôme là pour pouvoir avoir accès. Mais ce qui se passe mardi dernier lorsque le pasteur Jean-Marc prophétisait ici, c'est que ce même matin là même, déjà, il y a ma maman qui arrive depuis Moulin, et puis on se voit. Elle me dit, tu as fait comment avec ton école? Je dis, vraiment, je suis en train de vouloir apporter de l'argent parce qu'il fallait 450 000 francs pour pouvoir. Il dit, c'est comme demander à l'école pour finir la pension totalement. Donc, elle me dit, ok, je vais rentrer et puis il va parler à ton père. Elle n'a jamais parlé de ça à mon père. C'est à moi qu'elle me demandait d'aller voir mon père depuis tout ce temps. Elle arrive alors mardi, en soirée, pendant le culte, le pasteur Jean-Marc prie pour moi. Et il me fait comprendre que voilà que j'aurai un grand témoignage d'ici peu. Et que, en fait,